C'est bon ? Action ! C'est parti ! Action ! Bonjour messieurs dames, bienvenue au quiz sur votre chaîne préférée, Manek TV ! Un public en quiz ce soir ! Merci, 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 je sais que vous êtes contents, il y aura des nombreux lots à gagner pour vous, hein, des t-shirts, des pins, des caleçons, des peluches. Alors, nous allons accueillir nos chers candidats, aujourd'hui 5 candidats pour 5 questions sur 5 catégories. Première candidate, Pauline. On applaudit sur la question. Alors, Pauline qui nous vient de... Montagnes. Un peu plus fort, Pauline, pour notre spectateur. Merci, Pauline. Vous avez quel âge? J'en ai 20. C'est bien. Vous en faites moins. Le prochain candidat, s'il vous plaît. Et c'est... Jordan. Bonjour. Bonjour, Jordan. Vous avez quel âge, Jordan? 14. Ah, vous faites plus. Vous êtes pas dans le premier Jordan. Collégien. Un collégien. À vos heures perdues. À vos heures perdues. Ouais. En CDD, CDI, intérim. CDD. Ah, c'est pas ce qu'on dit. Prochain candidat, s'il vous plaît. C'est Jordi. Alors Jordi, vous avez 4 ans, vous êtes petit. Timmy. Non, pas vraiment 4 ans. Quel âge avez-vous Jordi? 14 ans. 14 ans, Jordi, vous faites quoi dans la vie? Au collège. Au collège. Hein, vous ne seriez pas collègue de collège? Non, concurrente. On n'en dira pas plus. Concurrence. Prochain candidat, s'il vous plaît. Candidate. Ça devient un peu noir, non? Alors, quel est votre nom, s'il vous plaît? Émilie. Émilie. Je le savais. Alors, Émilie, vous nous venez d'où? De la Guerche, de Bretagne. De la Guerche. Attention, il y a des gens qui se connaissent ici. Hein. Moi, je connais personne. Alors, vous avez quel âge? 16. 16 ans. Ok, très bien. Prochain candidat, s'il vous plaît. De la guerre de Bretagne. Il n'y a que des gens de la guerre ici, c'est un complot ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon alors attention, hein, pas de triche, pas de SMS, pas de texto, Twitter, Facebook, pas d'hashtag. Si, hashtag Manek TV. C'est bon? Générique. Applaudissements, applaudissements si vous avez ça. Public en folie ce soir. Nous allons passer à la première question. Mais j'ai pas mes fiches. Bonjour à tous, bienvenue sur Manek TV. Merci public. Alors, le quiz va reprendre, mais déjà, je vais vous annoncer les cadeaux. Est-ce que vous voulez des cadeaux? Ouais. Des cadeaux, plus fort les cadeaux. Ouais. Voilà, ça c'est des bons cadeaux. Alors en cadeau sur mes petites fiches, je vois un magnifique logement, hein, 850 mètres carrés, en plein de la guerre, dans le château. Mais ils sont trop petits pour avoir un appartement. C'est quoi ces trucs? Ouais. Un logement, c'est... Je sais pas, des home spinner, non? Vous voulez pas des home spinner? Des PlayStation? Ouais. Voilà. Alors je vais offrir 3 PlayStation 1. Pour l'enfant. Ah oui, c'est des yeux. Bon, alors, PlayStation 3. Bon. Une PS4, une Xbox, un séjour à Marrakech, tout payé, tout frais inclus, all exclusive. Champagne à volonté, moins 50% sur la vodka, désolé, on n'a pas pu négocier les tarifs. Du homard, de la crevette, de la salade fraîche, vous connaissez le menu, c'est Marrakech. Alors, on va passer à la première question. Vous êtes motivés? Ouais. Allez, tout le monde a main sur le buzzer. La première question, s'il vous plaît. Concentration. Alors, quel youtubeur est le plus connu entre le joueur du grenier, Norman fait des vidéos et Squeezie? Alors, Jordi? Norman fait des vidéos. Bonne réponse. On applaudit bien fort. Merci, merci public. On se rappelle après public. Alors, question suivante. De quel collectif fait partie ce youtubeur?
Attention, question spéciale YouTube, hein, vous l'avez remarqué, pas de placement de produit. Hein. Alors, l'Hollywood, Vox Maker, le Whoop et Trash. Ah, j'ai une première question là-bas, Jérémy. Le Whoop. Le Whoop. Ah non, désolé, Jérémy est éliminé. Oh, désolé, Jérémy est éliminé. C'est le script. Hein. C'est pas de chance, mais c'est pas cool. J'ai même pas la réponse. T'as même pas la réponse. Ta réponse, c'est le livre. C'est éliminé. Ah, oh, c'est. Bon. Le personnage qui se souvient. Alors, attention, troisième question. Pour gagner 3 PlayStation. Vous êtes chaud? Ouais. Allez, on est chaud. Question géographie. Ah, je suis. Où se trouve la capitale de l'Australie? Sydney. Bravo! Magnifique réponse de Jean-Robert David. Attention. Non, c'est pas Sydney. Vas-y, vas-y, va tourner. C'est quoi? Non, c'est non, mais je comprends avec l'opéra de Sydney. Alors, c'est lui qui a décidé la bonne réponse. C'est quoi les autres questions? Demandez à Google. Passons maintenant à la catégorie mathématiques. Alors, est-ce qu'il y a de la calculette dans la tête aujourd'hui? Des fois. Des fois? Attention. On en vacances, non? Question mathématique. Le théorème de Pythagore sert à calculer un triangle pour voir s'il est rectangle ou non. Oui ou non? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Vous confirmez? Oui. C'est votre dernier mot? Oui. Acceptation! Question mathématique. Pour calculer le diamètre d'un cercle, on fait pi fois rayon, ou rayon fois pi du rayon du carré. Ça fait pi fois rayon fois rayon fois pi fois rayon fois rayon. Pi fois rayon fois rayon. Avec ou sans carré? Sans carré. Sans patate. Sans carré. Bonne réponse. Bien revenu au quiz. Alors attention messieurs dames, nous allons passer maintenant à la question histoire, historique. Vous avez lu des livres? Ouais, non. Ah, on en a eu. Alors la question est assez simple. De quoi est mort Louis XVI? Jordi? D'une maladie. Une maladie avec quel style de maladie? Ah, éliminé, élimination. On remercie Jordi, si vous aimez, si vous aimez, si vous aimez. Donc Louis XVI était mort de la guillotine. Non, éliminé, mauvaise réponse, perdu. Il en reste plus qu'une. Alors, attention, vous pouvez. Nous arrivons maintenant en finale avec nos deux candidates. On se regroupe les filles. Voilà, bravo pour la finale. Donc, à gagner 3 kilos de saucisson. Alors, 12 minutes pour finir. La question. C'est l'heure. Voici, bienvenue de nouveau pour le quiz. Alors la grande finale, la question ultime, on se concentre, un peu de concentration s'il vous plaît. Elle s'est sauvée, il n'y en a pas. Par contre, il est vraiment mort à la guillotine, hein, il a été décapité. Ah bah il y a marqué, il est mort vieillesse. Bon, alors, ah, messieurs, dames, mesdames, pour la finale, qui et Michael Jackson. Je vais aller la finale. Elle n'a pas fait de mauvaise réponse. Voilà. Et puis c'est tout. C'était tout simplement, il suffisait de se taire. Et de gagner. Bravo messieurs dames. Et on se retrouve pas après la pub.
T'as fait 11 minutes 26, c'est vrai. Oui, c'est dans le thème, il y a 10 erreurs, plein d'erreurs. C'est bon. Plus d'assises, évidemment.